Véronique Geneste, ouais. As-tu déjà pensé à épouser Navarro pour faire 60% de part de marché? Véronique, vous savez ce qui vous attend maintenant? Non. Une interview jugement dernier. Ah oh là là, dure la loupiote! Véronique Geneste, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Véronique Geneste, as-tu peur d'aller en enfer? Sur le câble. C'est ça l'enfer? Oui, pourquoi, ah ouais, oui. Super peur! As-tu déjà regardé TF1 le samedi soir? Ça m'a fait peur. Oui, tous les samedis soirs. As-tu déjà regardé un film porno en y prenant du plaisir? Je veux dire la vérité? Là, c'est le jugement dernier. À mon avis, t'as pas le choix. T'as... Allez, ouais. C'était quoi, Véro? C'était quoi? Je sais pas, c'est un truc dans un escalier. C'est fou l'effet que ça fait, les escaliers, ouais. Moi. Je veux dire... Ah, mais moi, les escaliers, c'est un fantasme terrible avec un ascenseur. Ah, t'es une cochonne de palier. Laurent. C'est sympa, t'as une cochonne de palier. C'est sympa de venir sur une autre chaîne et de se faire traiter de cochonne de palier. Cochonne de palier. C'est agréable. Je me suis déjà fait grouper de grosses poufias rousses. Mais cochonne de palier, jamais. Véronique Geneste. Ouais. As-tu déjà pensé à épouser Navarro pour faire 60% de part de marché? Non, parce qu'on saurait pas qui le fait. As-tu déjà menti sur ton âge? Oh oui, alors j'arrête pas. D'ailleurs, tu t'es planté tout à l'heure. T'as plus? Je sais pas. Je suis au paradis, je veux pas mentir. Hein. La prochaine question, c'est pas de moi, c'est de Allah. As-tu incité des gens à manger du porc? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par inciter à manger du porc? Faire de la pub pour du jambon. Ah, c'est ça, en fait. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.